C'est drôle. Avec toi, même tout nu, je suis pas gênée. Quand t'es amoureux, man, t'es tellement high que t'as peur de rien. L'amour, c'est comme la dope. En as-tu déjà pris? Ouais, ouais, dans le temps. Hey, que c'est ça? Un tatouage. C'est comme des mains? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le signe de la cause. Quelle cause? Je peux le dire à personne. C'est ultra secret. Je t'ai bien tout dit, moi. Ouais. Mais nous autres, tout ce qu'on a, c'est nos secrets. Toi, c'est pas pareil. T'es blanc. Vas-tu à la piscine des fois? Pas souvent. Est-ce que ça m'aiderait? Oui. Mais à condition que tu apprennes à retenir ton souffle plus longtemps qu'à l'habitude. Ouais. Penche-toi par en avant. Laisse aller tes bras. C'est ça. Oui. Deux ou trois fois par jour, tu fais ça pendant 2 minutes. Ça, ça va t'aider à réapprendre à respirer où il faut. Oui? Ben, un bébé, un enfant, il respire toujours d'ici. En vieillissant, c'est comme si on les apprenait. C'est bizarre. Je pensais qu'on s'améliorait avec l'âge. Ben, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Mais tu fais tes devoirs. Mes devoirs? Mm-hmm. Ah oui, ma respiration. Tu m'as dit que tu lisais pas la musique? Non. Je vais t'enregistrer 2 ou 3 airs de Mozart. Tu les apprendras par oreille. Ouais, c'est le fun. Puis Mozart, c'est beau. Avant, je pensais que c'était plate. Comme on est toujours plus en voie en fin de journée, la prochaine fois, si tu veux venir en soirée, t'es la bienvenue. Vous m'aviez dit que vous puis Francis, vous vouliez pas. La situation a changé. Francis et moi, on est séparés. Hein? Ça se peut pas? Je capote! Ta première visite en 5 ans. Sens-tu ma mort prochaine? Ça aurait été ça, je t'avais envoyé des fleurs. Avec un petit mot de félicitations, je suppose. Je suis pas si chien que tu penses. J'aurais juste écrit « Ce n'est qu'un au revoir ». Je suis certain qu'on va te réunir en enfer. Oh non! À compter de maintenant, je m'assure de rester toujours en état de grâce. T'as besoin d'argent? On peut rien te cacher. Mais avant, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Dominique m'a crissé dehors. Oh, Simonac, enfin! C'est certain que tu réagirais comme ça. Je vais quand même pas me mettre à brailler parce qu'une sœur fait une femme d'elle. Non, mais un homme dans la rue, ton fils en plus, ça te fait pas un pli. À vrai dire, pas tellement. Tu payes pour ton père. À cause de lui, je me suis ramassé dans la rue, moi aussi. Façon de parler, c'est toi qui es parti. Parce qu'il était pas vivable. Marc, ça n'a pas tellement changé grand-chose. Je me suis ramassé avec toi, qui n'est pas tellement vivable non plus. Ce que j'aime dans notre relation, c'est qu'on se fait pas de cadeaux. Œil pour œil, dent pour dent. C'est quand même une amélioration. La dernière fois que t'es venu, t'as failli m'étrangler. Si on revenait à nos moutons. Ah oui. L'argent. J'ai failli oublier. Combien tu veux? Si tu me prêtais une coupe de 1000, je pourrais me louer un petit quelque chose puis le meubler. Coupe de 1000? Un détail. Tu crèches où en ce moment? Je suis un chum. Mais sa blonde aimerait bien ça me voir partir. Si le gars tient sa blonde, c'est plutôt lui qui aurait intérêt à ce que tu partes. Pas de danger pour ça. Il a déjà sauté sa blonde, mais elle baisse comme un pied. Je vois. Quand on me tend la main sur la rue, si le quêteux a une bonne tête, je me défais de ma petite monnaie. Pour un parent aussi proche que toi, je serais peut-être prête à vider mon sac. Plus généreux que ça, ça se peut plus. N'est-ce pas? Ça prend ou à laisser. Je vais prendre l'argent.
J'espère que t'as du cash en masse. Ça va être la fortune du sac. Le paternel pourrait peut-être aider son petit garçon. Faudrait que tu commences par le retrouver. Il doit être en quelque part sur la côte du Pacifique. Tu pourrais loger un avis de recherche, si tu veux. Remarque qu'il va être facile à repérer. S'il n'a pas changé ses habitudes, il a la barbe longue puis il ronfle. T'es chanceux, j'ai plus que 100 $. Le gros lot? Ben. Si tu me donnes une bière en plus, je te dis merci. Un gratteux avec ça? Bon, pas nécessaire, le gros lot frappe jamais deux fois. Après ta bière, tu déguerpis, j'ai un article à remettre. Je reviendrai dans 5 ans. T'es belle. Toi aussi, t'es pas pire. Pour un blanc. Tu me fais suer. Toi aussi. C'est toi qui l'as fait? Non. Mais c'est fait à la main. Tu le portes tout le temps? Je suis obligée. Comment ça? Christy, qu'est-ce que ça donne de sortir ensemble? Tu me parles pas. C'est encore ta cause? Ouais. C'est comme... Le tatouage, le collier, c'est la même affaire. C'est quoi, alors? Ben, quoi? Le tatou, c'est la cause. Ça, c'est la bande. Tu fais partie d'une bande? Comment ça s'appelle? Oh. La bande TPS. Comme la taxe? Ouais. Puis moi, je peux pas faire partie de ta bande. Toi? T'es pas noir. Christy, vous faites de la discrimination. Nous autres? Ben non. Pourquoi faire que je pourrais pas être membre d'abord? Je sais pas. Je pourrais en parler au Prez. Qui? Le Prez, c'est comme le chef. Tout à coup que je pourrais être ta marraine. Il faut un parrain ou une marraine quand on entre dans la bande. Ma marraine et puis ma blonde en même temps. Ce serait super. Mais hein? Christy, habille-toi vite! T'avais dit que ta mère était partie? Elle est partie aussi, mais je reste pas toute seule ici. Oh. Guillaume? Guillaume! Qu'est-ce qu'il y a? T'étais aux toilettes? Ouais, comme. C'est qui était avec toi? Personne. Menteur! Tiens! Oh, c'est le sac d'un gars. Il me l'a laissé, mais il faut que je lui rapporte demain. C'est qui, ça? Non, reste ici. Hé, hey, lâche-moi! Lex, tu promets de fermer ta grande trappe? Mais oui, je suis pas têtu. Promis. Juré. OK. Tu vas voir si elle est belle. Assieds-toi. Tu parles que je tombe? Ça se peut. Ibra. Ouais? Viens ici, c'est mon petit frère. Demi. Demi-frère. Salut. Je suis une bœuf. Elle est vieille. Hong Kong. Tu vas l'associer, bonjour. Oui, c'est Dominique Duval. Oh, je vous avais reconnu. Ah, oui. Je fais juste de la danse, mais j'ai de l'oreille. Des jambes aussi, j'espère. Un danseur nu, il est plus important que les jambes. C'est sûr. Vous voulez parler à votre frère? Oui, s'il vous plaît. Je vous le passe tout de suite. Salut. Qu'est-ce que tu fais ce midi? Rien de spécial. Vous pourrez me dire bonjour. Bonjour.
Viens donc prendre une bouchée avec moi. J'ai reçu une lettre du docteur Bachand, puis j'ose pas la lire toute seule. Mm-hmm. OK, midi et demi. Parfait, à tout à l'heure. Bye. Tiens, j'en ai plus besoin. Ton crédit est à la limite. Ton fils bien-aimé. Effectivement, madame. À la suite de vos derniers achats, vous avez même dépassé votre limite de 5 000 Parce que j'avais 5 000 de limite? Je regarde votre dossier, là, madame. Vous êtes une bonne cliente. Si vous voulez faire augmenter votre limite... Oh, non, merci, madame. Vous êtes bien aimable. C'est la police? Oui, madame. Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Allô? Dominique, c'est Marie-Josée. Excuse-moi, je peux pas te parler longtemps, là, je rappellerai. Mais là, il faut absolument que je rejoigne Francis. Je vais essayer de le rejoindre pour vous, Madame Lafleur. Merci, Dominique. Merci beaucoup. J'irais bien faire un petit tour en Asie, moi aussi. Si on vend l'appartement de grand-maman, tu auras tout l'argent pour y aller. Je préfère payer à Rémi ce que je dois encore pour le bureau. J'irai, puis je t'enverrai des cartes postales. Tiens. Merci. Tchin, tchin. Salut. Vite. Je meurs d'envie de savoir ce qu'il m'écrit. Pourquoi tu l'ouvres pas toi-même? C'est à toi qui est adressé. Je suis certaine qu'il parle de ce qui est arrivé. Non, c'est pas tellement plus long que la carte qu'il a envoyée avec les clés. Bien cher Dominique, moi c'était juste cher Christian. Vas-y. Tu trouveras sûrement que je suis parti vite, maison. Mais dans les circonstances, je n'avais plus aucune envie de rester à Montréal. J'ai donc devancé mon départ de quelques jours. Je suis encore sous le choc des allusions malveillantes, que m'a faites Christian. Elle hante mon deuil et elle risque de creuser un éternel fossé entre nous. J'en suis d'autant plus désolé que vous étiez aussi mes petits-enfants. On n'a pas été correct avec lui. Toi, t'as rien fait. Moi aussi, j'étais allée le voir. Ben oui. Pourquoi t'étais allée? Bon, j'avais saisi un prétexte pour essayer de voir si tes soupçons étaient fondés. Tiens, tiens, tiens. J'étais pas le seul à croire qu'il y avait peut-être anguille sous roche.
Le temps arrangera peut-être les choses. Enfin, j'ai repensé à notre entretien et j'espère pour toi que tu auras cet enfant que tu sembles souhaiter. Tu veux avoir un enfant? C'était ça, mon prétexte. Saint-Canis! T'es plus ratoureuse que moi? Pas mal plus que tu penses. Allez, continue ta lecture. Ah, c'est fini. Je vais vous rappeler. Fuck, elle est plus difficile à rejoindre qu'un Ménès. Ton fils, c'est là que je t'appelle? Eh oui, c'est incroyable, tu me manques déjà. Ça m'étonne pas. J'aimerais ça te voir quelques minutes. C'est à propos de ta carte de crédit? Pas vraiment, imagine-toi. J'aimerais seulement qu'on se comprenne mieux. Ça risque d'être difficile. On peut toujours essayer. Où tu veux qu'on se rencontre? Ici? Ouais. Je t'inviterais bien au restaurant, mais je suis à la limite de crédit sur ma carte. Je peux comprendre ça. Le temps de me rendre? D'accord. Je constate que tu as renouvelé ta garde-robe. Ouais. Merci, c'est à toi que je le dois. De rien. Ça me rendrait service, par exemple, si tu pouvais m'éclairer sur quelques détails. Pour te rendre service, n'importe quoi, tu le sais. Est-ce que je pourrais savoir comment tu as pu te servir aussi facilement de ma carte de crédit? As-tu déjà remarqué à quel nom elle est faite? Au mien. Ouais. M.José Lafleur. Comme t'as enlevé le E muet à José, puis que M. ça peut faire monsieur autant que Marie, je me suis présenté comme Monsieur José Lafleur. Un jeu d'enfant. Puis mon code d'identification personnelle, il a fallu que tu l'aies pour sortir de l'argent de du guichet automatique. Ah, oh, ton NIP? Mon NIP, oui. La moitié du monde choisit leur date de naissance comme NIP. J'ai essayé, ça a marché. Tu vois que t'es moins original que tu pensais. Tu t'es rappelé de ma date de naissance? Mais voyons. Comme si un fils pouvait oublier la fête à sa maman. Comme j'aime bien savoir où j'en suis dans mes affaires, t'as dépensé combien? Oh, même pas 4 000. C'est raisonnable. Il y a quelques années, ça m'a coûté une dizaine de mille piastres pour te sortir du pétrin. Hey, c'est Francine qui m'a sorti du trou. Mais c'est moi qui ai fini par payer. Ça fait 5 ans, c'est prescrit maintenant. Tu peux plus me collecter. J'avais même pas l'intention d'essayer. Cette fois-là, j'aurais dû te laisser aller en prison. Ben oui. Puis à 15 ans, t'aurais dû me placer en centre d'accueil. Je reconnais ta toune. C'est plus difficile de se débarrasser de son mari que de son fils. Hein? Ce qui s'est passé entre ton père et moi, ça te regarde pas. Mais plus tu vieillis, plus j'ai l'impression de le retrouver. Ça me rassure. Ça te rassure? Ouais. C'est la dernière chose que je voudrais, c'est te ressembler. T'es pas ce que j'ai réussi de mieux. En fait, si je voulais être sans pitié, je dirais que t'es probablement ce que j'ai de moins bien réussi. Merci. Sans pitié pour moi, Francis. Parce que contrairement à ce que tu peux croire, c'est épouvantable pour une mère d'échouer sa vie avec son enfant. Quand je me fais des illusions à ton endroit, sur nous deux, en fait, ça me rassure momentanément. J'oublie un peu. Mais quand il arrive des choses comme la carte de crédit, la réalité me revient à plein visage comme un coup de poing. J'en ai des bleus pendant des mois. Des vrais bleus s'effaceraient pas mal plus vite.
tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le notaire. J'ai pas grand-chose, Francis, mais le peu que j'ai accumulé, je préférais qu'il y ait des gens qui en font meilleur usage que toi. Hey, fuck le chantage. Tu me fais pas croire que je t'ai couché sur ton testament. Non, je te le ferai pas croire. Je vais te donner des preuves. Tiens. Tu peux l'emporter. Celui-là va être périmé dans quelques heures. Si Dieu me prête vie jusque-là. Ou toi. Christ, que tu m'écœures. Ouais. Puis j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça va toujours être comme ça. Oui, les entrées par effraction, c'est ma spécialité. Tous les deux, on peut faire tout un team dans le showbiz. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, toi, tu chantes, puis moi, j'écris les chansons. Comme Lara Fabian et Rick Allison. T'écris les chansons? Au cas où tu le saurais pas, bébé. Hey! Appelle-moi pas bébé, j'ai ça pour tuer. Mon nom, c'est Lisa. Excuse-moi, mademoiselle. Je dis qu'au cas où tu le saurais pas, mon vrai métier, c'est auteur-compositeur. Qu'est-ce que t'as composé? Toutes sortes d'affaires. Même des chansons classiques. Comme Mozart? Ouais, mais différent. Moi, c'est plutôt le style Schumann. Oui, mais non, mon Schumann. Non, non. Robert Schumann, un compositeur allemand. Je le connais pas. Oh, il est mort depuis longtemps. J'ai fait pas mal de jazz aussi. Tu serais bonne, toi, dans le jazz. Wow, je peux pas tout faire. Là, j'apprends l'opéra. Ah, oublie ça, y a pas d'avenir dans l'opéra. C'est pas payant. Ah, faut que tu sois une grosse star pour faire la pièce. Style Diane Saviero. Je la connais pas. Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf, des filles de même. Je suis sûre que je peux devenir comme elle. Ta femme? Mademoiselle Duval a dit qu'elle m'aiderait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, je sais pas. Elle connaît beaucoup de monde important. C'est. Elle connaissait beaucoup de monde. À cette heure, à part les clips d'infirme, il n'y a plus personne qui l'appelle. Oh non! Ah, c'est normal. Des rôles de chaises roulantes, j'en connais juste un. Porgy dans Porgy and Bess. C'est un aigle. Je vais t'écrire un tube. Puis dans le temps de le dire, tu vas te ramasser au top du Hit Parade. Peanuts! Tu me crois pas? Ça se fait pas de même. Je chante dans un club depuis 5 ans, puis y a presque personne qui me connaît. C'est parce que t'as pas des bonnes tunes. Regarde Marie-Carmen. Une chanson de Barbara, puis elle partie de même. Vanessa Paradis, Tina Turner, Madonna. Ils sont toutes parties en orbite avec une ou deux grosses tunes. C'est pas en faisant des gigs dans un club que tu vas devenir star. On va commencer quelque part. Ouais, mais faut pas rester là. Avec moi, tu vas décoller. Tu me crois pas? Ben, j'ai pas été tellement chanceuse jusqu'ici. C'est parce que t'étais pas bien pluguée. Moi, je vais te manager. Comment Angélie l'a fait avec Céline Dion? Elle a l'affaire, elle. On peut faire pareil. Céline Dion est plus docile que moi, par exemple. C'est bizarre, mais je suis pas prête à faire toutes les concessions. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais être reconnue pour mon talent, pas pour mon body. De toute façon, t'as pas le body qu'il faut. Pardon? Oh, non, capote pas, là. C'est pas une insulte. Je dis seulement que t'as pas un frame de pin-up.
L'important, c'est ta voix. La voix puis les lyrics. Les paroles débiles, ça me tanne. Rock voisine, lui, il y a des belles chansons. Les nôtres vont être meilleures. Chris, un instant, tu m'auras pas de même. J'ai tabarnak que t'es élevé. Oui, puis je vais l'être tant que tu vas me prendre pour une plotte. Et je te prends pas pour une gadaille, mais j'ai pas l'habitude de me mettre à genoux. Avec moi, c'est fun qui se mettent à genoux. À part de ça, tu vas manquer un Chris de vos voyages. Ben, je voulais t'amener une semaine à Paris. Pas grave, je vais y aller avec un autre. Quand je reviendrai, là, si t'arrêtes de jouer vierge offensée, tu me feras signe. En attendant, comme je peux pas baiser avec la femme que j'aime, je me trouverais bien quelqu'un pour me ramener le tuyau. C'est qui la femme que t'aimes? Ou bien t'es lesbienne ou bien t'es niaiseuse en Christ, oui. Don't call me, I'll call you. Ça va pas de bon sens. Ah non, mais c'est quoi l'idée? Ça coûtera moins cher sur ton temps au salon. Pas facile, mais je fais pas du spaghetti. Oh, tiens, tiens, la responsable de mon divorce. Semblait bien que j'allais te revoir. Ma boss, Antonine. Salut. Bonjour. Ben là, boss, c'est une façon de parler. Disons, supérieure immédiate. C'est boss pareil. Mais on t'offre ton prix? Oui, bien. Oh, ben, je peux regarder, moi, là. Mon mari m'attend. Mon mari, il faut pas laisser attendre ça, hein? Non, surtout que le mien, là, il est à peau courte. Les hommes sont tous pareils. Bonne soirée. Tous pareils. Sauf que toi, t'es mieux que les autres. Dans le lit, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé au scotch, je vais continuer. Saint-Léger on the Rocks. Mademoiselle? Un autre. C'est un Saint-Raphaël Street. Comment ça, responsable de ton divorce? Hey, ma blonde m'a mis dehors après notre nuit ensemble. Je suis désolée. Tu me scies les jambes. C'est pas grave, y'a rien. Hein? À la bête que ça finisse pour arriver. T'as pas l'air de prendre ça trop mal. Merci, Lily. Cheers. Tu es déjà allé à Paris, toi? C'est mon prochain voyage. Ah ouais, bien. À mes vacances, l'été prochain. Tu venais avec moi la semaine prochaine? Où? Paris. Une semaine. Top dépenses payées. C'est pas cool, ça. T'es malade! One a bit. C'est moi qui ai invité la première. Hey, mais une toutoune, qu'est-ce que t'as à faire là-dedans? Je vais t'en faire une toutoune, ma maudite, je m'appelle Lisa. Présentez-vous les filles, vous êtes bien parties. T'es débile, toi, je t'ai rien fait. M'appeler toutoune passée, je t'ai-tu traité de voleuse de chum? C'est pas ton chum. No, arrive! Chris! Hey, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Chris, je t'ai dit! Hey, t'es malade! J'ai jamais été ouvert la fou! Appelle la police! Marche, t'es fâche-toi, marche! Too much! Deux femmes qui se battent pour moi. Maudit que tu fais bien l'amour. C'est pour ça que je suis aussi recherchée. Peanuts. Je suis pas là. C'est ta ligne rose? Oui. Je vais aller répondre. Non, non, pas de faire. Hey, mon scotch! Oh. Tu vas écouter encore ma maudite totone. Qu'on est. Je t'ai dit que je pouvais pas le dire. On va chercher le prez.
Ah ouais! Pas tous. Je vois rien, je suis tanné. Well, c'est le même qu'il faut que ça soit. Ça va-tu être long? Cognard, trois quarts d'heure. Tu peux rien pour attendre? Christy! Je vais être aveugle. So what, hein? So what? Veux-tu du beurre de pinot avec ta tasse? C'était du smooth. L'autre, j'en avais pas, il pogne des dents. C'est difficile. J'ai du goût. Pas pareil. Peanuts. C'est du crunchy. Oh. Ouais. Il n'y aura pas grand place dedans pour mon piano à queue, ma guitare, mon set de salon Chippendale puis ma table Louis XIII. Hein? T'en as donc bien du stock. Tu pensais que j'étais tout nu dans la rue, hein? Ben... Non. Pas un gars qui est capable d'aller passer une semaine à Paris just like that. Oublie pas qu'on part samedi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te dire. T'es pas séropositive, au moins? Ben non. Où est-ce que tu restes dans le moment? J'ai un chum. Pourquoi tu me le demandes? Parce que... Je suis pas prête à ce que tu déménages ici. Comment ça? C'est de même, Francis. Faut que je me fasse à l'idée. Laisse-moi le temps. T'es compliqué, hein, s'il vous plaît. Oui, je suis compliqué. Ben compliqué. Tu vas me lever, je t'écœuré. Zip, man! J'ai envie de pipi. Mais assis-toi. Les blocs. Sit. Pepsi, take it off. Christy. Ibra, c'est qui le nouveau membre dont tu veux être la marraine? Speak. C'est mon ami Guillaume. Il va avoir 16 ans le 3 mai. Il est en secondaire 4. Son signe astrologique, c'est taureau et... Et je l'aime. Wow. Silence! C'est pas une raison pour qu'il fasse partie de la bande. Excuse-moi. Objection, Grace? Mais il est blanc, 13. Et c'est pas une raison pour qu'il fasse pas partie de la bande, Grace. Moi, je le vois noir. Qui le voit noir? West? Je sais pas. C'est quoi l'idée d'introduire un blanc dans la bande? Viens te dire qu'il est noir! Guys? OK, Ibra. Qualité. Guillaume, il est brave. Il dit la vérité. Il est généreux et... Il fait bien l'amour. Silence, Ibra! Oui, Press? T'es prête à être sa marraine? Oui, Prez. Tu sais ce qui va t'arriver si Guillaume va croche. S'il trahit ou s'il obéit pas au Prez. Oui, Prez. Tammy, tu l'as prévenu? Oui, Prez. T'acceptes les conséquences? Oui, Prez. Ah. Guillaume! Qu'est-ce qu'il y a? Debout! Mets tes mains comme ça. Guys.
Comme ça, Guillaume, tu veux entrer dans le TPS? Non. Réponds. Oui, je veux! Oui, je veux. Guys! Oui, je veux! Tu reconnais l'autorité du Prez en tout, pour tout et partout. Réponds. Je reconnais Prez. Je reconnais Prez. Je reconnais Prez! Tu es prête à servir frères, sœurs et toute la communauté jusqu'à la mort, s'il le faut. Réponds. Prêt, Prez. Prêt, Prez. Prêt, Prez! God help us all. Non, debout. Maintenant, Guillaume, tu vas subir l'initiation du TPS. C'est dur, mais c'est la seule façon d'éprouver ton courage. Prêt? Prêt. Guys? Thomas. Après l'initiation, tu peux passer la nuit avec ta marraine. Wouhou! Prez. Faut que tu serres la main du Prez. Les bras, tout le monde. Il est libre. Bienvenue dans le TPS, yo. All right. Cool. All right. Arsenio Samuel? Maintenant, c'est Prez. Long time no see, boy. Marie-André? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Guillaume n'est pas encore entré puis qu'il est minuit. Minuit? Ouais, t'as pas d'idée où il pourrait être allé? Je viens de téléphoner chez les Durocher, chez les Archambault, mais il est pas là. Saint-Sput! L'as-tu vu quand t'es revenu de l'école? Marie-André, je te parle. L'as-tu vu? Je pense qu'il est pas allé à l'école cet après-midi. Son sac est dans sa chambre, puis j'arrive toujours avant lui. Tu m'as même pas parlé au souper? Je suis pas têteuse, moi. Moi non plus, tu sauras. Ben, le sais-tu, toi, où il est? Ouais. D'après moi, il est chez Ibra. C'est qui, ça? C'est la blonde. Ibra. Ibra qui? C'est beau. Oh, Sainte-Canisse, ça m'avance. Oui? Salut, c'est Guillaume. Tu parles d'une heure... Ne t'inquiète, je suis en sécurité. Je vais rentrer demain matin. Non, non, Guillaume, tu... Non, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, je le savais. Guillaume? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Très doué. Même que Frédéric trouvait, lui, un peu
peu trop... Saint-Canis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Rien, je peux pas te le dire. Oh, 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 un instant. Je t'ai dit que je pouvais pas te parler. Guillaume, reviens ici tout de suite. Quoi? La musique pour Kéléman. Je comprends qu'Isabelle sente le besoin de prendre des petites vacances avec des enfants comme vous autres. À son retour, tu vas avoir des explications à lui donner. C'est ça. C'est pas déjà Francis? C'est toi, ça, Fanny. Je m'excuse, mais je vous connais pas. À part de ça, je pars en voyage. Hey, on se connaît. C'est le nom, c'est le large. Pas de Provo Finance. Comment ça se fait que vous avez trouvé mon nom puis mon adresse? Je te l'avais dit que je te retrouverais. La ligne est rose, ma Fanny. Je l'ai acheté. C'est assez fort.